Vous avez... Voilà. Putain, la première... Je sors de la moto. Ça fait quoi? 4 bornes que je roule. La première... Non mais c'est pas possible. Allô? La première phrase que je sors, je la bug. Putain, ça va être long, hein. Moi, je te le dis. Ouais, Bilout, vous avez rien remarqué de nouveau là? Regardez bien. Bon, à part bien sûr les nouveaux rétros. Alors regarde. Tic tac, tic tac, tic tac, ding. Et oui, c'est ce petit boîtier avec un bouton rouge et je pense que tu sais ce que c'est. C'est des poignées chauffantes. Et oui, cette année j'ai craqué. J'avais pas envie de galérer comme l'année dernière. Souviens-toi, regarde ces images. C'est abusé. Ah, oh, mon petit Léo Vince, que tu me fais du bien. Oh purée, le froid, ça m'en fait raconter de la merde. Et donc, vu que j'avais pas envie de revivre la même chose, ben voilà, j'ai acheté une paire de poignées chauffantes. Alors, pas cher du tout. J'ai profité... d'une promo chez Louis, louis.de. C'est mon pote Fredo qui m'en a parlé. Il m'a dit, tiens regarde, c'est pas cher, vas-y, profites-en, t'auras moins froid aux mimines. Ben voilà, ben, c'est ce que j'ai fait. Alors je les ai pas encore testés, installés, oui. Enfin, je les ai allumés dans le garage, histoire de voir si ça chauffe, ça chauffe. Donc j'ai attendu qu'il fasse un peu frais. Ah oui, au fait, attends, mais je suis con, je te dis, je les ai pas payé cher, mais je t'ai pas donné le prix. Donc du coup, elles étaient en promo, elles étaient à 59€. Déjà, à la base, c'est pas très 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 cher par rapport à certains prix. Et donc du coup, en fait, c'était descendu à 39€. Voilà. Alors, bon, je pense que c'est comme beaucoup de choses. Hein. Je veux dire, quand tu mets vraiment le prix, c'est vraiment de la qualité. Là, voilà, j'ai mis 39€. On verra bien. Donc là, le principe, c'est que ben, il fait pas beau. Je crois qu'il fait dans les 6 degrés. Donc là, j'attends d'avoir froid aux mimines, comme il dit mon pote, pour mettre les poignées en route, histoire de voir ben, leur réelle efficacité. Bon, la seule différence, du coup, avec... Salut, mec. Oh, le mec, il m'a snobé. Enculé. donc en fait la réelle différence, la réelle, non mais je raconte n'importe quoi, oui, mis à part que ça chauffe bien sûr, en fait c'est légèrement plus gros, donc faut s'y faire d'avoir un truc un peu plus gros en main. Je viens juste de me rendre compte de ce que je viens de dire, donc dans les commentaires, oh puis merde, écrivez ce que vous voulez, je m'en branle. non mais parce que là il y a de quoi faire des jeux de mots bien pourris. Bref, donc voilà, c'est un peu plus gros en main. Bah, bon, voilà, c'est pas plus gênant que ça, tant que ça fonctionne comme on le demande. Ça c'était pas mal aussi. Donc là je vais attendre encore 5 minutes, là je sens que ça commence un petit peu à faire froid les mimines. Bon, j'ai quand même mis les gants, alors c'est pas réellement des gants hiver, c'est des gants mi-saison. Justement le but c'est de pas avoir besoin de mettre les gants hiver. Mais bon, rien que là, avec les 6 degrés et les grands mi-saison, on commence un petit peu à le sentir. Donc, comme dit, j'ai bien hâte d'appuyer sur ce petit bouton rouge. J'attends encore 5 minutes et ça va le faire. J'ai pas envie d'attendre 5 minutes. Alors déjà, ça s'allume pas. On commence bien. S'il faut rester appuyé dessus, peut-être. Ah, voilà. Donc là, c'est position max. On va peut-être pas abuser. On va mettre sur 3. Bon, allez, 2. 2. On va voir ce que ça donne là, déjà sur 2. Alors donc là je suis sur 2. Pour l'instant je sens pas grand chose. Hein. On va lui laisser le temps de chauffer. Hein. On va pas faire la mauvaise langue tout de suite. J'ai l'impression que la 2 elle sert pas à grand chose.
Ou alors il fait pas assez froid pour. Je ne sais pas. Bon ben bah, on va passer à 3. Hein. Ah merde, mais du coup j'ai descendu, putain. Ah bah là je l'ai éteint. Impeccable. Alors attends. Voilà, 3. Bon bah il se passe toujours pas grand chose. Hein. Est-ce que j'aurais fait de la merde en l'installant? Non, je pense pas parce que j'avais bien senti que ça chauffait dans le garage. Je sais pas, alors c'est peut-être les gants qui sont trop hermétiques, je sais pas, va comprendre. Ah, quoique si là je commence un peu à sentir quelque chose. Ah oui, ça vient. Ah ouais, ça vient là. Ah, c'est pas mal. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, vas-y, rien à foutre, on va le mettre à 5. J'ai envie de savoir ce que ça donne à fond. Allez, allume-toi. Voilà, à 5, allez. Chauffe Marcel, chauffe. Ah bah franchement, on va dire qu'il n'y a que la position 5 qui est efficace. Là, tu vois, là, je le sens. Là, franchement, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal et je dois dire que ça fait même carrément du bien, quoi. C'est pareil. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Putain, c'est bon. Hein. Et j'ai l'impression que ça vient encore là. Ouais, ça chauffe encore là. Oh là là. Ah ouais, c'est pas mal. Je pense que les balades hivernales vont paraître un petit peu moins longues pour le coup. Bon, bah voilà. Donc là, je pense qu'on a atteint la température max. Et bah, c'est le pied. Franchement, c'est vachement, vachement agréable quoi. Maintenant, je comprends les copains qui ont ça. Et je comprends aussi pourquoi ils peuvent pas s'en passer. Franchement, ça fait carrément du bien. Ouais, et sur ce, j'arrête de vous saouler avec ces poignées chauffantes. Et on passe à la suite du Vive le Motard.